inspire sur des musiques. Hein. Bon, chut, attention, c'est parti. C'est pas grave, je peux leur dire bonjour. Enlève ton masque, ça sert à rien. Non, mais je le mets en bas au cas où. T'inquiète pas, ça me gêne pas quand il est en bas. Hop, un. Deux. J'attends. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Deux. Jamais 203. Deux, peut-être trois. Oui, bah, quand Ils sont où? Ah, deux, trois. Trois. À cinq, j'enclenche. Hein. Ah, cinq, ça y est, c'est parti. Bah, salut les amis, live solo, fin de match. Fin de match Lorient-Brest, match amical, mais pas que, parce qu'il y a le skatepark à côté du terrain. Et forcément, il y a une petite surprise, j'attends un peu, je le laisse transpirer un peu. Je regarde, je voudrais pas le filmer en train de se prendre une boîte, ça serait moche quand même. Mais ouais, l'apéro après, Stéphane, t'inquiète, bientôt. J'attends la fin du match, j'ai essayé de taper une petite interview de Pélissier ou d'un joueur du FCL, on verra s'il y a moyen. Essaye de faire fin de dialogue. Mais il y a toujours 3-1 pour Lorient, hein, au cas où, il n'y a pas eu de but à la deuxième mi-temps. Mais bon. Et puis les ultras, on les a plus vus. Hop là, sinon, voilà. Sinon, il suffit que j'enclenche ou déjà il y a de la pression. Déjà, il y a de la pression. Voilà, je lui mets la pression. Je savais que j'allais lui mettre la pression. Sur qui on arrive à tomber? Voilà, ce genre d'individu. Regardez l'athlète, regardez le beau gosse. Putain, je l'envie un peu. Parce que ça, je suis un peu rouillé au skate là. Bah, c'est comme ça que tu prépares ton clip du coup? Ouais, je me prépare physiquement, mentalement, mais je suis là surtout kiffé en fait pendant un peu de repos parce que j'en ai marre de la musique un peu là. Ouais. Faut s'aérer la tête. Donc on s'aère avec une planche de skate. C'est ça, un peu du soleil, tout à l'heure j'étais à la plage, maintenant. Donc au cas où vous l'auriez pas connu, c'est quand même notre ami Premnat. Hein. On est en terrain conquis, on est chez nous là, on est à Plumeur. On joue à domicile. Il est bien ce petit skate park, non? Top, ah, ils ont une bonne initiative, franchement, si on avait plus partout comme ça, ça serait tué. Il est bien celui-là. Grave. Bon, on va regarder ce que. On va voir ça. On va voir tes expériences. Faudrait que je zoome, mais... Ah, mais il taquine. Bah, Premnat, il taquine. Oui, il taquine. Là aussi, ça taquine, d'ailleurs. Attention, il arrive. Attention. On va s'écarter au cas où. Attention, je m'enlève, je voudrais pas me prendre une planche dans la gueule. Non, ça va, ça gère. C'est cool. On va se mettre au milieu. Bah donc du coup, ouais, juste vite fait, du coup, t'en es où alors au niveau des préparatifs du clip là, ça... C'est en plein découpage, plein montage. Ouais. Donc ça avance petit à petit. Et, des bonnes images. J'ai hâte, hein, franchement. Enfin, je suis pas le seul, hein, mais il y a hâte quoi. En tout cas, il y a l'envie, il y a la motivation, il y a le partage, il y a l'aide. Ceux qui sont venus aider pour ce jour-là pour le tournage. Bisous à Alonso, bisous à. Bien sûr, big up à lui, Alonso. Et puis comment qu'elle s'appelle, j'ai bouffé son. Voilà, bisous à Nandini, ouais. Big up à vous deux. Voilà, aussi, ouais. Edgar ouais. Et Denis. Ouais. T'inquiète. Les gars, c'est cool. Ouais, ça y est, on a passé le cap des 2000 abonnés sur Live Solo. Ah, ouais, c'est cool. Ouais, bravo. Ouais, moi, c'est cool. Ouais. Moi, j'ai passé le cap des 20 abonnés bientôt. Alors... Ah, bah voilà. Cool. Bah, continuation, finis bien. Moi, je vais aller voir la fin du match. Je t'en prie, à plus. C'est une rencontre qui fait plaisir, inattendue. Une rencontre inattendue, ça fait plaisir. Ben oui. On remet vers les pics. On va aller par là, après on ira voir de l'autre côté. Je vais essayer de voir s'il y a moyen, essayer de taper 2-3 interviews. On va essayer de vous montrer un peu là. Bah, je trouve que les Brestois dominent un peu la deuxième mi-temps quand même. Ils ont marqué un but, mais position en jeu. Donc toujours autant de monde, ça fait plaisir quand même, regarder de voir énormément de merlus, quoi, de supporters lorientais en tout cas. Je pense qu'ils ont dû barrer là-bas pour pas qu'il y ait beaucoup de supporters, mais vraiment. Ouais, ça fait plaisir.
Bon, les gars, ok, content de ce match amical ou bien? Il y a des bons mouvements, il y a des choses intéressantes quand même, il n'y a pas que du déchet. Je t'en prie, vas-y, exprime-toi, je suis là pour ça, vas-y, je t'en prie. À part les ultra-brestois, ils sont venus faire un petit tour, ils ont pris deux buts, ils sont repartis. Ouais, bah en fait, ils nous ont porté chance, quoi, tout simplement. Ils peuvent revenir quand ils veulent. Ouais. Parce que c'est quoi le dicton quand il y a les brestois qui passent? C'est soit la flotte ou soit les buts, c'est ça? Quand les brestois chantent, soit il pleut, soit ils prennent des buts. Voilà, voilà. Je te remercie. Ouais, bah comme il n'y a aucun nuage, bah c'était. Merci aux gars de La Rochelle. T'es venu pour me mettre le match exprès. On va rester 5 minutes. Oh là, sors de là, Mathieu, voilà Mathieu. Tranquille. C'est bien, en plus vous avez du bol en étant ici. Moi je connais quelques joueurs mais je les ai pas tous. Donc il y a les commentaires à côté, il y a des connaisseurs un niveau au-dessus de moi. Donc c'est bien. Ils ont eu leur pause fraîcheur là, ça y est, Fabien, il a été voir son Ricard ou pas? Il n'y a pas de pause fraîcheur pour la deuxième mi-temps, j'ai l'impression. Je sais pas comment ils font, moi je pourrais pas courir en plein cagnard. Ouais, mais t'inquiète, ils sont payés pour, hein, ils tournent au Brescola. Hein. Mais même Fabien, il court pas beaucoup. Fabien, il trottine. Ouais, en plus, Fabien, il a fait que la deuxième mi-temps. Hein. Fabien, il marche, en marche rapide. Allez, Fabien, plus vite, plus vite, plus vite. C'est comme voilà. Le film, papa. Fabien, fais pas le con, je filme. Hein. Fabien, cours. Moi, me donne le meilleur de toi-même. Oh, il est bon. Oh, Edouard, bien joué. Il marche, Fabien. Il marche, allez, allez. Cours pas. Non, bah, il marche, tranquille, on s'économise. C'est le dimanche, hein. C'est la promenade de dimanche qu'on fait nous au bord de la plage, papa. Nous. Voilà, c'est ça. C'est bon, tranquille. Oh là, oh là. Hors jeu. Il est beau notre bus orient quand même. C'est vrai que je vous laisse admirer quand même. Regardez les deux quarts au fond. Franchement, moi je trouve qu'il y en a un qui sort un peu plus du lot que l'autre. Hein. Il y en a un qui est plus joli. Quoi. Moi je trouve que le tango et le noir se marient mieux que le rouge et blanc quand même. Hein. Non, et puis voilà. Enfin, c'est vrai qu'on a un écuisson qui mérite d'être mis en valeur. Quoi. C'est vrai qu'il est beau notre écuisson. Ouais, ouais. Il est simple, mais il est beau. Ouais. Pas besoin de plus. Ah, ça m'appelle, les affaires reprennent. Ça, je suis sollicité. Non, c'est bon. Oui, allô? Oh, t'as attrapé ton... Merde, attends, putain, je suis en direct, je suis en train de dire t'as attrapé ton chat, ça peut porter à confusion tout ça en direct. Tu es dans la zoopholie ou quoi? Ah, but, oh putain, là là. Mais décroche, oh, porte tu portes la poisse, François. Vas-y, décroche. Non, vas-y, raconte. Ah. Vas-y, je tiens, papa. Ça va, Jérémy, allez, on se suit, Jérémy, allez. Allez. C'est pas grave, Mathieu, c'est pas grave. Allez. Live solo junior. Bien vu, Mathieu. Qui est parmi vous Garçon, on a pris 3 tout à l'heure. Ouais, bah écoute, je te dis... Un but de Brest, c'est ça? Je serai à la maison, mais... Ouais, ok, pas de soucis. Ouais, de toute façon, c'est pas loin, le stade de la Châtel de Reste, à côté. Ça roule, ça marche. Bah, du coup, c'est Edgar qui live. C'est Brest qui a marqué le but, là. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure. Là, c'est Brest qui a marqué le but. Ouais. Ça fait 2-4, ouais, du coup. Moi aussi, pareil. 2-4 ou 2-3? Hein? 2-4 ou 2-3? 3... Ah, ça fait 3-2. Ça fait 3-2. Ouais, 3-2, du coup. C'est bien, dès que j'allume dès que j'enclenche un live, paf, il y a un but, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Il y a un miracle, il y a de l'action. Qu'est-ce qu'il pense du mercato? Mais qui pense du mercato, quoi? Bon, c'est bien le mercato, après c'est pas le PSG ici, hein, donc c'est pas fou, hein, on fait avec les moyens du bord. Hein. Ça y est, c'est fini, voilà. Allez, on va voir s'ils vont venir nous faire un petit coucou quand même. Ils vont bien venir nous faire un petit coucou. Ah bah voilà, j'ai trouvé un passage. Ouais, faut que ça tienne. Hein. Voilà. Ah, avec le micro, ils sont dû avoir mal.
Quand on lèverait, je ferais comme ça pour pas que ça appuie sur le micro. Fab ! Fabien ! Fab ! Fabien ! Reviens ! Fabien ! Reviens ! On a du Ricard ! Fabien, je t'aime ! Comme le 51 ! Ça rentre direct au vestiaire. Hein. Nous qui avons lutté face à l'ennemi brestois jusqu'au bout. Il est fini là, tu... Bah oui, c'est fini. Quoi qu'attends, ils sont pas tous rentrés, mais sinon on va les choper sur le côté. Bah, je voudrais bien voir Pélissier. Non, Fabien, Fabien, le joueur Fabien. On verra ce que, si on arrive à avoir une petite interview. On verra. Demander à Pélissier ce qu'il en pense. Comme tu veux. Voir si on arrive à avoir le maire. Salut les gars, en tout cas, merci bien. Il avait pas de la marche. Voir si on arrive à... Je peux faire... Ah du coup, il y a les cadeaux qui arrivent. Vous voyez que, voilà. Les cadeaux, c'est la caravane du FCL qui est là. Tous les sponsors, c'est comme le Tour de France, tous les sponsors qui jettent des cadeaux. Tu verras peut-être Fuseli. Allez. Donc, fin du match, hein, 3-2 pour Lorient. Je vous dis, je vous remonte, hein, je vous laisse admirer la classe, vous ferez le choix vous-même. Je pense qu'il n'y a pas photo au niveau de la beauté du car. Bah, pour moi, il n'y en a qu'un seul qui est magnifique. Hein. Et la couleur est noire. Et la couleur est noire et noir et tango. Orange, non? Non, tango, on appelle ça tango, c'est noir et tango. Noir et tango, les meilleures couleurs. On dit pas ça parce que c'est notre équipe. Hein. Ouais, mais le rouge, c'est dégueulasse. Ouais, puis c'est vu et revu le rouge. Ouais. Tandis que le noir c'est original et le tango c'est pas original. Je vais essayer d'aller voir. Je vais essayer d'aller voir sur le côté droit du coup. On va essayer d'avoir une petite interview surprise. Si on y arrive. Après on aura essayé, hein, qui ne tente rien. On n'a rien. T'as vu, je commence à prendre l'expérience, ça va pas dire. Exactement. Au début j'étais timide, maintenant je suis pas. Salut Florence, à bientôt. Au revoir mesdames. À bientôt. Ciao ciao. Bonne vacances. Merci bien, merci. Et voilà, toujours le même, hein, le beau gosse. Hop là. On s'était pas dit au revoir déjà? Non mais je passais par là par hasard, du coup. Salut, ça va? Je pense que je peux rentrer tout ça à la maison. Si tu veux, tu veux les clés? Ouais, bah attends, je vais voir les joueurs. Bah oui, c'est pour ça, s'il y a moyen de... Ils font chauffer le moteur, bah regarde, Lorient est prêt à partir, Brest il nous bloque, tiens. T'as vu? Voilà, le car brestois est... Enfin, le car lorienté est bloqué par le car brestois, voilà. C'est incroyable. C'est... Ils sont rageux, c'est... Bah, voilà. C'est n'importe quoi. Il est beau là en plus. Hein. Attends, on va aller voir, on va demander si c'est pas trop dur, si c'est pas trop dur la reprise. Ça va, pas trop dur la reprise? Impeccable. Bon courage. Merci. Bonne soirée. Le chauffeur, est-ce que c'est chauffeur officiel? On ne sait pas. Essayer de voir des joueurs, ça peut être pas mal. Un Magui, peut-être. Non, je pense pas, mais... Alors, nous, on est prêts, nous, on est parti. On est juste à côté, nous. Bien joué, Lorient. Bravo, J'espère qu'ils vont pas sortir du côté du car, qu'ils vont sortir par là, quoique c'est moins gagné, c'est pas sûr.
Monsieur Loas. Bonjour. Encore vous? Bah ouais, toujours là, toujours présent. Alors, sympathique ce petit match. Bien. Quand on va Brest, hein. Bah ouais. Par contre, le seul truc qui était dommage, je vous le dis, après, il fallait voir avec vous, il paraît, c'est dommage, c'est que la route de l'autre côté était bloquée, quoi. Ah ouais. Pour les images, ça aurait été plus, franchement, a priori, on a négocié, il paraît qu'il fallait voir avec la mairie, voilà. Dans le doute, on dit toujours, c'est la peau du maire, hein, mais voilà. Après, j'en sais trop rien, mais ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, merci beaucoup, en tout cas, enfin, vous y êtes pour rien, mais c'était bien pour Lorient, quoi. Et pour Lorient, voilà, exactement. Merci beaucoup. Bah oui, il est gentil comme tout. Bah oui, encore toujours présent. C'est ça les médias indépendants. Bah oui. On est sur tous les terrains. Il y a Noé. C'est Pierre-Yves. Pierre-Yves. Bah, après, Jérémy. Ouais. Jérém. Ils font beaucoup, c'est pas aussi bien. Jérémy Morel. Mais dès qu'ils sortent, de toute façon, je suis. Pourquoi pas deux. Putain, si j'avais su, j'aurais dû prendre un stylo et puis un coup de papier. Eh ouais. J'ai pas anticipé sur ça. Bah, je pensais que t'y penserais, mais bon, voilà. Tant pis, c'est pas grave. C'est là qu'on se retrouve un peu. Hein, quand tu as des. Ouais. Quand tu as des joueurs comme ça, c'est sûr. Putain, plus moi les prénoms, je les connais pas tous, hein, ça craint. Hein. Je sais même pas qui c'est. C'est Thomas Fontaine. Ah, Fontaine. Nous, on connaît juste les anciens, nous, Pierre et Vanel. Merci, c'est cool. Morel. Bah oui, c'est Thomas Fontaine là-bas. Putain. Carton rouge pour Denis. Tut. C'est fait. Ils sont quand même bien baraqués, les coups. Pourquoi tu ne peux pas aller voir? Tu vois, je le montre. Là. Qu'est-ce qu'il pense actuellement du. Ah non, mais ça, c'est pour les supporters, ce qu'ils pensent du mercato. Salut. Bien joué, bon match. À décrocher Fabien, là, ça serait cool. Pierre et Damel, ouais. Bon, ça se trouve, il apprendront. Fallait l'orienter, il apprendra ensemble à la maison, la douche. Ouais, c'est possible. Bon, que je le dis. Ça, je crois, après, de ce que j'ai compris, moi, j'étais arrivé après, mais ma copine, elle est arrivée bien avant. Il y a des joueurs qui étaient. Qui sont arrivés en voiture directement. D'accord. Ah oui. Bon, après l'eau, elle est bonne à Plumeur. Ah, bah, je pense. Surtout avec le Ricard. Surtout avec le Ricard, elle va bien. Elle passe, D'ailleurs, j'ai qu'une hâte, là, c'est de rentrer pour aller, justement. Fêter cette petite victoire, désolé. C'est toi. On va fêter cette petite défaite. Ouais, c'est pas grave, c'est un match amical. Ouais. On se retrouvera dans la saison. C'est dommage, c'est ce que je disais, c'est peut-être ceux qui ont porté la poisse, c'est les ultras quand ils sont arrivés. Hein.
Ils ont peut-être chanté un peu trop fort et... Après, ouais. Ouais, non, mais il n'y a rien à dire de toute façon. Brest, ils ont aussi... Bon, après, c'est dur à juger hein, sur un match amical de toute façon, ouais, c'est du match de préparation. Donc pour vous dire, on est en direct à côté de moi, je vous les montre pas, mais j'ai quand même des supporters brestois qui sont là, et entre Brestois et l'Orienté, on arrive à s'entendre quand même, c'est pas inaccessible non plus, pas tous, mais il y en a certains qui arrivent, donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Donc comme on dit, il y a les bons supporters, il y a les mauvais supporters, et puis voilà, c'est dans toute matière, dans du corps de métier. Ah, j'ai bouffé les moffis. Ouais. Moffis, on est juste un petit mot vite fait, on est en direct sur un live, je suis un média indépendant. Non, tes sensations. Speak English. Good play. Oh, thank you. No, for you, it's a good play. Thank you. Yeah. Ah, speaking. Tu veux faire une photo? Non. Thanks. Je savais même pas qu'il était anglais. Enfin, qu'il est anglais. Ah non, c'est pas un anglais, non. Là, il est Nigérien. Ah si, il parlait en anglais. Oui, il parle anglais, mais Nigérien. Ah d'accord. Oui, il parle anglais. Oui, bon, oui. Ah, je me suis senti con du coup. Ouais. Moi, je crois qu'il s'était étonné. Mais non, mais oui, moi aussi, moi je crois qu'il y a des fois il y en a, ils déconnent, donc tu sais pas trop. Mais je savais, je savais pas du coup. Ouais. Donc là-bas au fond là-bas on a Thomas. Bravo Yerry. Je dis quand même bravo aux joueurs de Brest. Bah bien sûr. Bah oui. Gaëtan. Ouais, Gaëtan. Charbon. Charbonnier. Bravo. Ah, il a joué, non ? Il joue. Pélissier qui est là-bas. Il est où, Pélissier, je vois pas. Pélissier, il est là-bas. Pélissier, là. Ah. Ah ouais, il est là-bas. J'avais pas vu. On a Monsieur Pélissier qui est là. On va essayer d'avoir... Il est en interview, Monsieur Pélissier. Il y a des joueurs. Tu me dis si tu vois en fonction. Je vais essayer de voir si j'arrive à décrocher une petite interview de Monsieur Pélissier. Oui. Monsieur Pélissier, juste deux petites secondes, je suis un média indépendant, je vous embête pas longtemps. Juste parce que c'est un peu compliqué l'accès justement. Donc juste avoir vos sensations sur ce match amical, la reprise.
Ça se passe comment? Bien, ouais, satisfait? Oui, ouais, très satisfait de ce que j'ai vu ce soir, du contenu, donc c'est le plus important. Bah, merci beaucoup. Tu vas dire si peut-être que tu auras... Merci beaucoup et bon championnat. Qu'est-ce? Oui, c'est bien. Maintenant, essayez d'avoir comment le moine en interview, ce serait pas mal. Salut. Il y a Morel là-bas, c'est Morel. Non, c'est Thomas. Qui est à gauche là? T'inquiète. Je connais l'ancienne, je connaissais mieux à l'ancienne où il y avait Cabo, Nkandouzi, oui, bah je connaissais mieux maintenant. Comme je suis plus trop et je connais plus trop. Et puis comme les stades ont fermé, je ne peux plus trop voir. Il entraînait quoi lui? Je sais pas, Amiens je crois. C'est ça, c'était à Amiens qu'il était ici avant, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ouais, Amiens. Donc voilà, j'ai réussi à décrocher 2-3 pareil, ça parle pas doucement les entraîneurs. Il y en a, on a l'impression qu'ils sont très... Ah, ça c'est toi ça, bravo. Ah mince. Bah ouais, ouais c'est pas grave. Mais... Quoi? Merci à Pélissier du coup. Bah c'est oui. Il n'en sait pas, c'est quoi? Merci à lui. Non mais tu vois, c'est sympa parce qu'il est pas obligé, tu vois, je lui ai dit, je suis en média indépendant, moi j'ai pas l'accès et, il est quand même venu et je trouve ça super cool quoi. Et tu as posé quoi comme question? Moi, ses impressions de... son ressenti. Voilà, en tout cas, ça c'est des belles images, l'accessibilité des joueurs. Bravo, salut. C'est pas grand chose, mais c'est bien d'être montré parce que des fois il y en a, ils seraient pour des rockstars. Et... Je pense que c'est surtout PSG, je pense qu'il va se. Oui, prendre... non, mais c'est clair, bien sûr. Non, c'est très bien, mais. Et puis là, c'est un petit match, donc ça va. En vrai, j'ai pas envie de prendre des selfies parce que j'ai déjà des selfies de la plupart des anciens joueurs, mais j'ai pas envie de prendre des selfies. Juste profiter d'avoir un check 2, ça suffit en vrai. Un papa. Ouais, bah, t'arrives à passer ta main pour checker? Ah oui. Par contre, je te jure, les moustiques qui se déchaînent en ce moment. Ah bah écoute. Je sais pas si c'est des boutons de moustiques, ça. C'est bizarre comme bouton. Toi, tu peux tenir un coup que je prenne la. Que je... Perso, j'ai le... Fabien, Pierre-Yves ou Jérémy. Ouais. Je connais pas tous les joueurs, je suis juste ces trois. Hein, tu me diras bien qui c'est Morel. Jérémy Morel, c'est ça? Ouais. Tu me diras. Je comprends toujours. Pierre-Yves, c'est... Pierre-Yves. Après, je les connais pas tous. Oui, bah, on a juste ces trois qu'on connaît ou bien. Des fois, je reconnais pas. Morel, ouais. Pierre-Yves Hamel et... Fabien Leboine. Ouais. Salut, check à dire si tu veux. Check si jamais il y a si je fais check comme ça prend pas en souvenir, je prends une capture d'écran à la rigueur. Bah voilà. Ils sont sous la douche là. Ça a chanté, t'es. Et le tracteur n'est pas parti. Ça c'est chanté. Non mais du coup la douche est bonne à Lorient, l'eau est bonne, elle est pas trop calcaire, donc tout bang. Elle doit être chaude là, s'ils iraient son temps, c'est qu'elle doit être chaude. Ou froid, il y en a qui aiment bien la douche froide. Ça c'est bon, ça c'est bien. Ah, bravo à toi.
Ça négocie, c'est dur. Les négociations sont dures. J'en sais rien, je sais pas, mais... Tu peux avoir tes enfants, ouais. Ah bah, il a dû voir son joueur préféré. T'as dû dire, PS5. Perso, alors Nico, perso... Eh, t'as le maillot de Jérémy. Moi, je voudrais bien avoir l'interview de Jérémy, Nico. L'idéal, ce serait Jérémy... Attends un peu, Nico. Déjà, je sais pas si t'as vu, on a eu une petite interview vite faite de Pélissier. Je voudrais essayer de choper Jérémy, Pierre-Yves ou Fabien, éventuellement. Mais après, si on arrive à en avoir un des trois, c'est déjà bien. Ouais. On va voir. On va essayer de négocier. Maintenant, il faut que je me trouve un joueur préféré, comme il n'y a plus Cabot. Comme il n'y a plus... Déjà, on a eu Monsieur Pélissier, c'est déjà pas mal. Je pensais pas. Ça fait 2 ans qu'il est plus à Cabo. Faut que je commence à me trouver un joueur préféré. Enfin, c'est sa deuxième année, ouais. C'est... Faut que je commence à me trouver un joueur préféré quand il n'y a plus Cabo. Je vais le trouver, t'inquiète pas. Ah bah voilà. Jérémy. Si, Jérémy Borel. Viens dire si tu veux. Jérémy, juste 2 secondes. Je suis un média indépendant. Tes sensations. Nickel. Mais si, c'est... Allez, je suis assez bon. Par contre, c'est dur de négocier un maillot, une chaussette, un string, un boxer. Un poil. Très, très, très compliqué. Un petit cheveu d'œuf. Peut-être un petit poil de. Non, pardon. Non, mais oh. Ah, mais vous voyez pas la caméra. Bah, vite, moi j'ai soif, faut que je rentre. Ça va être l'heure de l'apéro. Je pense que j'ai fait pas mal de live encore aujourd'hui. Mais ça, c'est détente aujourd'hui, enfin pour moi. Vous n'êtes pas fatigué de me suivre là sur le live ou quoi? Il y a des amateurs de football ou bien? Il marche bien, là? Bah, il y a quand même 9 personnes qui sont présentes, quoi. Merci d'être patient et de continuer de suivre le live, c'est cool. Bon appétit. T'es gentil, mon papa. Bien. Oui, je veux dire. Salut, sur Facebook à ton truc, t'imagines. Tu leur dis la chose et tout. Checker Edgar, ok. Jérémy Morel. Hein. Non mais c'est plus Pierre-Yves. Ou le moine. Pierre-Yves ou Fabien. Mais beaucoup plus le moine.
J'ai pas lâché, j'ai Life Solo, c'est un peu de tout, c'est pas que des événements, des rassemblements sociaux ou autres, c'est aussi un peu de loisirs, Chewbacca. C'est tous les événements. Toi, je t'ai pas vu, Chewbacca, je t'ai pas vu, je t'ai pas vu ce matin à Lancelvin, enfin ce midi même. En fait, c'est tous les événements qu'il y a dans le Je crois que tu as oublié Life Solo, ce que c'est de base, cher ami. C'est du foot, c'est du skate, c'est du. Ça peut être du tennis, c'est de la musique, c'est du. C'est pas que la Fonderie de Bretagne. C'est de tout, hein. Il y a les mouvements sociaux et puis il y a les. Ah, mais t'es passé, Joris. Putain, mais je t'ai pas vu, t'es sérieux, toi? Hein? T'as bronzé derrière, c'est pas un coup de soleil que tu t'es reçu? C'est possible. Ah ouais, ça. Ouais, on retouche un peu pour voir. Ouais, ouais, si, peut-être. J'ai dû taper un coup de soleil sur la nuque, ouais. Oui, mais tout à l'heure à Lancelvin, oui, je t'ai vu, oui, mais là, non, je croyais que t'étais venu au foot. Non, mais je sais, je risque que c'est toi qui m'as check tout à l'heure sur le. Qui arrive ? Bah voilà. Pierre-Yves, juste vite fait, je suis un média indépendant, live solo, sans plumeur. Tes sensations de reprise ? Ça va, tranquillou ? Tranquillou ? Ouais, bah c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi. Merci. Et puis bah bonne reprise de championnat aussi. Merci. Plein de bonnes choses. Ça, c'est bien. Oui. Je veux un autographe de lui. Oui, c'est, il fait partie du staff. Ah, oui. Gérard, il doit coller aussi. Oui. Mais lui, j'ai eu un autographe de lui sur mes trucs et tout. Puis. C'est surtout à l'époque de Michael Landreau. Tu peux checker, tu peux mettre ton point pour checker. Check avec policier. Voilà, Edgar qui a eu le droit au check avec Pélissier, avec Pierre-Yves aussi, t'as checké ? Oui, avec Pierre-Yves. Il manque plus que le Un check avec Pierre-Yves, il nous manque plus que le Fabien et puis on est pas mal. Ouais. Et à l'époque quand il y avait Michael Landreau, j'étais plusieurs fois. Ouais, mais je l'ai. Tu verras, Joris, je lui ai même lâché une question à Pélissier, tu verras sur le live. Il m'a répondu. Ouais, carrément. Non, c'est cool, c'est sympa. Pierre-Yves qui s'est arrêté, Pélissier. Le moine, on espère. On attend Fabien éventuellement. Ça prend pas pour une sortie des joueurs, nous, depuis qu'on n'a jamais fait de sortie de joueurs. Bah si, sortie d'entraînement à. Ouais, mais entraînement à Kirlir. Entraînement et match. Ouais, mais là, c'est un match amical, hein. C'est comme un entraînement là. Hein. Mmh. Match amical, là c'était en mode entraînement aussi. Hein. En tout cas, victoire pour l'Orient 3-2. Ah bah voilà, Fabien. Ah, Fabien. Fabien, salut. Mais, je suis un média indépendant, Life Solo, sur les réseaux, sur juste tes sensations là, de reprise. Ça se passe comment, bien ? Ouais, ça va. On commence à. Prendre nos marques. Tranquille. Tranquille. Et puis après il fait chaud. Donc c'est pas ouais, c'est clair, ouais, carrément. Pas évident aujourd'hui, mais non, c'est des bon matchs de reprise et une intensité. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Vous retrouvez un peu les sensations, si ça aussi bien toi que les collègues. Ça, quoi. Dans le placement, dans le. Voilà, c'est ce qu'on veut mettre en place collectivement. Donc, puis le stage, on va vraiment bosser. C'est beaucoup la partie tactique, donc ça va être important les matchs qui vont suivre. Donc, en tout cas, on est content de ce qui se passe pour l'instant, donc c'est bien, faut continuer. Puis ça fait malgré tout, même si c'est amical, ça fait du bien, une petite victoire quand même, malgré c'est tout. C'est ça, exactement, marquer des buts, voilà, c'est toujours important. Tout à fait. Avec un petit peu de monde aussi, donc voilà, c'est sympa. C'est clair. Merci beaucoup et puis bonne reprise au championnat en tout cas. Et bah là, je vais te dire un truc. Solo maintenant. Bon bah voilà, je crois que les amis, on pouvait pas rêver mieux. Hein. On a eu le coach, on a eu l'interview du capitaine, on a eu le coach, on a eu Pierre-Yves. Franchement,
Fabien, le capitaine. Donc voilà, super. Bravo, ça fait plaisir. Merci franchement. Joueur, si merci le FCL en tout cas, même si on n'a pas pu accéder comme on aurait souhaité. Mais bon, en tout cas, il y a eu de l'accessibilité quand même à la fin de match avec les joueurs. Voilà, donc non, c'est bien coulette. Ça fait plaisir. Bon, bah écoutez les amis, je crois que là, ça va être mode week-end, mode relâche. Allez, le temps de rentrer à la maison dans 10 minutes. Là, ça va être l'apéro. Donc bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir suivi le live. Je crois que Remnak il est encore là. Non, c'est pas lui qui est là-bas. Ah non, il est parti. Donc on a eu l'invité mystère, l'invité surprise qui était Premnat en train de... Même nous, on savait pas, c'était pas monté en scène ou quoi, voilà. c'était pas prévu. C'était pas prévu, voilà, on savait pas que Premnat serait là, donc voilà. Non, mais des bons petits moments, ça fait du bien, on va rentrer tranquillou à la maison. Et puis voilà, ça a lâché deux trois interviews, donc ça fait plaisir, c'est cool. Voilà les amis, bah écoutez, on va arrêter là. Je pense que la journée elle a été très très enrichissante, très très riche en émotions dans tous les sens du terme, que ce soit sur les événements sociaux, sur les événements sportifs. Ça vous donne une idée en même temps de l'ice solo, de ce que c'est. C'est ça l'ice solo. Et voilà, attention ce que tu dis. Alors on prend au conditionnel hein, parce qu'il est en apprentissage avec l'ice solo, c'est le fiston. Voilà, tu voulais dire quoi? Je voulais dire ce qui est bien dans Live Solo, c'est que du coup là on apprend un peu ce que tu fais, quoi. On sait petit à petit ce que tu fais, quoi. Ça... Voilà, ouais, on va dire ça tout. Comme ça. Si, je voulais vous remercier. Alors, je vais vous remercier vite fait. On a passé le cap des 2000 abonnés. Encore un grand merci à vous tous, franchement, de me suivre, de me faire confiance. Je vous dis, Live Solo, sans les abonnés, ça ne sera rien du tout. Live Solo, sans les modérateurs, sans les administrateurs. Enfin, voilà, on est une dizaine sur la page. Je vous embrasse tous. Je vous fais des bisous à tous parce que voilà, que ça soit les abonnés comme les administrateurs et puis les modérateurs de la page, sans vous, Live Solo n'existerait pas. Donc je voulais encore une fois de plus vous remercier, vous envoyer plein de bisous et puis merci aussi pour vos commentaires parce que je reçois énormément de messages de votre part et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur et c'est ce qui me motive à continuer de faire ce que je fais. Donc un très grand merci, j'ai eu encore plein de personnes qui sont venues me voir aujourd'hui et ça m'a énormément touché. Quoi dire d'autre? Pas grand chose, enfin c'est déjà pas mal. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver en live, mais voilà. Donc direction l'apéro, je l'aurais pas volé, il y a de l'eau au frais, ça va être une petite mauresque. Et puis voilà, d'ailleurs j'attends Jean Mouloud qui devrait pas tarder. Jean Mouloud qui est sur la page aussi, à qui je fais des bisous. Et puis j'essaye de voir les messages. Allez Laure. Non, il y a une erreur là. Allez Laure, je sais pas. Bref, donc voilà les amis. Bah écoutez, des gros bisous. Merci pour tout. Merci pour ceux qui ont participé aussi. J'ai eu de la participation sur le Tipeee. Donc merci aux gens qui ont participé. Et puis voilà quoi. Donc passez une bonne fin de journée. Passez un bon dimanche. Et puis comme j'ai l'habitude à chaque fois pour finir le live. Prenez soin de vous et puis prenez soin de vos proches et je vous aime. Merci beaucoup. Des bisous, ciao. À très bientôt.